Lors d'un point de presse ce vendredi, les passionnés de football et les médias ont pu découvrir en avant-première le design des nouveaux maillots de l'équipe nationale. Il s'agit de deux maillots, un maillot officiel pour la saison 2023-2024 et un maillot spécial pour la CAN 2023 qui rend hommage à Salif Keita Domingo. Donc maintenant, les maillots, il y a une déclinaison du vert jaune rouge ici et à l'intérieur. Ces maillots seront la collection 2023-2024 avec lesquels les Aigles vont évoluer aujourd'hui et aussi lors des matchs éliminatoires de la Coupe du Monde. Maintenant, il y a le second maillot qui est là. Il y a l'ancien maillot qu'on a un peu retravaillé. C'était le maillot du... On avait commencé avec les maillots d'entraînement des Aigles qu'on a retravaillé avec un aigle beaucoup plus petit, mais avec des serres qui sont là. Et quand on a réfléchi, la Fédération Malienne de Football, avec notre partenaire MK Production, on a dit c'est un maillot spécial CAN, uniquement pour la CAN, retravaillé au poil ici, au de la manche, on a dénommé Domingo. Domingo, une icône de football mondial. Les maillots arborent les couleurs nationales. La tenue est complétée par des détails stylés et modernes. En ce qui concerne la commercialisation, la FIFA Foot invite au strict respect des conditions. Nous allons poser les conditionnalités. Si tu veux être revendeur agréé, tu passes à la fédération, tu as fait une demande. Et si les présidents donnent leur accord, on te donne un papier et tu ne pourras pas faire venir les équipements. Tu peux prendre les équipements au niveau de la fédération pour aller les vendre avec ta marge. C'est ce qu'on peut faire cette année pour qu'il y ait moins de rangs au niveau de la boutique parce que souvent il y avait des rangs kilométriques quand il y avait des matchs du Mali. Donc c'est pour ça qu'on a produit les maillots un peu plus tôt même cette année. On a un certain stock, il n'y aura pas de rupture de stock. Il y a un autre stock qui va venir en fin de semaine, mais les maillots spéciales CAN ne seront disponibles à la boutique qu'au mois de novembre. Les représentants de la FIFA Foot ont exprimé leur enthousiasme quant à cette nouvelle tenue, soulignant l'importance de rendre hommage à Salif Keita, la légende du football malien. Donc, je disais que nous avons l'honneur de vous présenter les maillots que notre consort, disons notre équipementier, a bien voulu mettre à notre disposition. Demander à tout un chacun de faire très attention parce que nous avons déjà appris que ces maillots sont en faux beaucoup dans le marché. Il y a beaucoup de contrefaçons qui circulent. Nous allons prendre toutes les dispositions pour faire en sorte que tous ceux qui se sont rendus coupables de cette pratique puissent payer le prix fort. Ainsi, le maillot du Mali pour la CAN 2023, selon la fédération, est bien plus qu'une simple tenue sportive. C'est un symbole d'unité et de détermination pour toute une nation prête à soutenir ses joueurs avec ferveur sur la scène continentale. Le point de presse s'est achevé avec la remise d'un saxophone aux supporters du Mali.